La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation passe à la phase pratique de sa mission de recherche de vérité. Elle vient de créer en son sein une commission spécialisée chargée des enquêtes et des auditions qui a pour rôle d'entendre les victimes, les auteurs et les témoins des différentes crises qu'a connues le pays. Dans le cadre de la mise en œuvre du corridor Abidjan-Lagos, la partie ivoirienne en charge de ce projet a réuni depuis ce matin à Grand Bassam, dans la ligne de mire, la restitution de l'étude de faisabilité du projet ainsi que la mise en place d'un fonds. Et puis, le MUJAO a annoncé hier que l'otage français Gilberto Rodriguez Leal était mort. Les insurgés n'ont pas précisé les circonstances de son décès, affirmant seulement qu'il était mort parce que la France est leur ennemi. Selon l'Elysée, il serait en fait mort depuis plusieurs semaines et Paris promet de ne pas laisser la mort de l'otage impunie. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Le développement de la Côte d'Ivoire et son repositionnement à l'échelle internationale au centre d'une série de rencontres du président de l'Assemblée nationale ce mardi. Guillaume Soro a échangé respectivement avec le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, le directeur général de l'Office national du tourisme et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Le point avec Hamza Diaby. Journée de mardi chargée pour Soro Guillaume. Entre audience et séance de travail avec ses collaborateurs, le président de l'Assemblée nationale n'a eu aucun répit. Dans la matinée, il a ouvert les portes de son cabinet à Hosseïn Amir Abdollahian, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, et Jean-Marie Sommet, le directeur de l'Office national du tourisme. Il s'est investi dans quelque chose de très fort. C'est le festival multiculturel de Côte d'Ivoire qui aura lieu du 25 au 27 de ce mois. C'est également le signal fort de la cohésion de ce pays entre les fils et les filles. Il ne pouvait pas rester indifférent, c'est ce qu'il nous a expliqué. 15h, c'est au tour de Aïcha Toumendaoudou, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, d'être reçue par le chef du Parlement ivoirien. Au centre des échanges, la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, particulièrement le dialogue politique et les conditions pour la tenue de l'élection présidentielle en 2015. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale devrait intervenir à un moment pour adopter les lois pour tout ce qui concerne, par exemple, la révision de la commission électorale indépendante. Donc c'est de tout cela qu'on a parlé. Il m'a exprimé la disposition naturellement de l'Assemblée nationale à jouer son rôle et puis à accompagner tout le processus. Pour Soro Guillaume, ce type de rencontres qui permettent d'aborder des questions nationales et internationales sont toujours opportunes pour la vie de la nation. Les notaires africains renforcent leur capacité en vue de jouer leur partition dans le développement de leurs pays respectifs. Ils sont réunis ici à Abidjan depuis ce matin à la faveur de la 9e édition du programme Université du Notariat. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a ouvert les travaux de la rencontre. 252 notaires venus de tout le continent participent aux travaux. Serge Collier. Après N'Djamena au Tchad, les notaires du continent se retrouvent à Abidjan pour la 9e université du notariat d'Afrique. Cette plateforme vise à assurer le rayonnement et la promotion de la profession notariale en Afrique et dans le monde. Les compétences du notaire s'étendent à différents domaines du droit et il est important que le notaire participe à l'effort des autorités. Les notaires, considérés comme des acteurs clés de la sécurisation des biens dans la société, entendent ainsi s'inscrire durablement dans la vie juridique de leurs États. Trois thèmes seront développés au cours de ces assises, au nombre desquels les contrats de partenariat public-privé, une nouvelle forme de développement sous nos tropiques à laquelle les notaires entendent prendre une part active. Aujourd'hui, nos États développent des nouveaux types de partenariats avec les entreprises privées et en général, ce sont les cabinets fiduciaires qui sont aux côtés de nos États. Alors que nous, notaires, nous sommes d'abord des conseils avisés, des conseils privilégiés, des professionnels qui donnent la sécurité juridique en apposant le sceau par délégation de l'État. Et c'est pour ça que nous voulons nous approprier ces nouvelles techniques contractuelles pour être quand même aux côtés de nos États. Des notaires bien formés, un service performant, innovant et rapide, c'est le vœu du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'ouverture des travaux. Ces assises seront pour vous, j'en suis persuadé, l'occasion de passer en revue la profession notariale à l'aune des défis et des enjeux du développement actuel
des pays africains. La 9e Université du Notariat d'Afrique se tient du 22 au 25 avril à Abidjan. 252 notaires participent à ces assises continentales de la profession notariale. Dans le cadre de la mise en œuvre du corridor Abidjan-Lagos, la partie ivoirienne en charge de ce projet a réuni depuis ce matin à Grand-Bassam, dans la ligne de mire, la restitution de l'étude de faisabilité du projet ainsi que la mise en place d'un fonds. Long de plus de 1000 km, le corridor Abidjan-Lagos enregistre un flux de 47 millions de voyageurs par an. Il draine 65% des activités économiques de l'espace CEDEAO et constitue le poumon économique de la sous-région. Le présent atelier va permettre à la partie ivoirienne d'arrêter un plan d'action définitif pour la réalisation du projet d'autoroute reliant Abidjan à Lagos. Le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos est un projet initié en double partenariat avec la CEDEAO, la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire, à l'effet d'assurer une libre circulation des personnes, des biens et des services. La part de la Côte d'Ivoire dans le coût du projet s'élève à 148 millions de dollars, soit 78 milliards de francs CFA. Il a pour objectif de faciliter la libre circulation des biens et des personnes le long du corridor. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, il est nécessaire pour l'administration de créer les conditions d'une célérité et d'une facilitation des transactions commerciales, notamment au niveau de la région. Acteurs importants du projet, les transporteurs attendent beaucoup de l'atelier de Grand-Bassam. La facilitation du transit, l'état de la route, la prévention du VIH-SIDA et l'impact social sont les quatre indicateurs de mesure de la réussite du projet. C'est un reportage signé à Adama Koné. De l'actualité également, l'ouverture ici à Abidjan de la 10e réunion du comité de direction du projet COSCAP-UEMOA, un projet commun de transport aérien de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au centre des réflexions qui vont durer 72 heures, l'examen des textes, l'élaboration du budget, la définition du nombre et des statuts des membres de l'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ACSAC. L'ACSAC est une structure de régulation régionale qui bientôt verra le jour et qui sera chargée de superviser la sécurité et la sûreté de l'aviation civile des agences nationales à travers les 8 pays membres de l'UEMOA, en plus de la Mauritanie. D'autres images, cette fois, elles sont du bureau exécutif de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, qui a ouvert aujourd'hui, dans la capitale économique ivoirienne, sa 3e réunion ordinaire au cours de laquelle seront examinés le programme de travail et le projet de budget 2014 de l'association à la rencontre d'Abidjan. Il s'agit de dynamiser le fonctionnement de l'association, à en croire le président de la structure, le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, N'Golo Coulibaly. Je vous le disais en titre, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation passe à la phase pratique de sa mission de recherche de vérité. Elle vient de créer en son sein une commission spécialisée chargée des enquêtes et des auditions qui a pour rôle d'entendre les victimes, les auteurs et les témoins des différentes crises qu'a connues le pays. Sidonie Davila, Maïsako. La recherche de la vérité est essentielle pour la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Elle a donc mis en place une commission spécialisée chargée des enquêtes et auditions. À peine créée, les membres ont été déployés sur le terrain pendant 10 jours pour une phase expérimentale dans 8 localités ivoiriennes. Au cours de ce processus, ils ont écouté quelques victimes, les auteurs et les témoins des crises qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire. L'atelier de ce jour a permis de déceler les points forts et les limites de leurs actions sur le terrain. C'est un atelier de partage d'expérience et qui va donc nous permettre de corriger les quelques dysfonctionnements. Alors, nous allons lancer la phase nationale en nous donnant les meilleures chances de réussir. De la phase pilote à la phase nationale, le président de la CDVR situe ici les enjeux de ce nouveau défi. 1990-2011. Qui a fait quoi? Pourquoi? Et où? Qui a subi quoi? Pourquoi? Quand et où? Ce sont les victimes. Cette forme de justice transitionnelle n'a pas de sens si
la victime n'est pas au centre des préoccupations. Avec cet exploit, la CDVR veut engager la responsabilité des différents représentants dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour l'atteinte d'un résultat satisfaisant. Le président Charles Konambani a demandé à ses collaborateurs de mener à bien cette mission pour faire découvrir la vérité, mais aussi pour situer les responsabilités sur les différents événements sociopolitiques qu'a connus le pays. Depuis hier se tient à Grand Bassam le 21e congrès de l'Association panafricaine des sciences neurologiques. Prennent part à la rencontre une centaine de neurologues et neurochirurgiens originaires d'une trentaine de pays. Au menu, la formation, le partage d'expériences autour des affections neurologiques qui touchent près d'un milliard de personnes dans le monde, entre autres affections, l'accident vasculaire cérébral, l'épilepsie et les tumeurs cérébrales, le compte-rendu de Christelle Menin. 42 ans d'existence et aujourd'hui, près de 200 membres la composent. L'Association panafricaine des sciences neurologiques tient son 21e congrès. Il y est essentiellement question de formation et de partage d'expériences quant au traitement d'affections neurologiques en passe d'être des priorités de santé publique en Afrique. Ce congrès paraît un congrès hautement scientifique qui va réunir des spécialistes. Mais l'objectif final, c'est de permettre à nos populations d'être éveillées, de connaître ce que c'est qu'un AVC. Un AVC, quand il survient, c'est toujours dramatique. Alors, tous ces congrès ont pour objectif d'être dirigés aussi vers la population avec un message basé sur la prévention de ces affections. L'Association panafricaine des sciences neurologiques regroupe des neurologues et neurochirurgiens originaires de toute l'Afrique, mais sa particularité réside aussi dans la diversité des spécialités médicales représentées, avec un seul objectif commun. C'est vraiment une association fédératrice autour d'un seul objectif, traiter les maladies du système nerveux de manière efficace et de manière équitable. Un accès équitable aux soins qui pourrait être en partie garanti par un meilleur ratio personnel de santé population et une meilleure répartition géographique de ces spécialistes. Les chiffres font état d'un neurologue pour 3 millions d'habitants en Afrique subsaharienne, contre 1 pour 40 000 en Occident. Même constat pour les neurochirurgiens. Il faut mettre toute notre énergie pour former de plus en plus de jeunes et qui pourront apporter des soins de qualité aux patients. C'est un échange, c'est un combat à mener tous ensemble. En bref et en image, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, a un nouveau président. Il s'agit du docteur Joseph Boghifo, élu pour un mandat de 4 ans. La passation des charges entre lui et la présidente sortante Fatoumata Marta Ewi, entrée en fonction effective au conseil d'administration de la FIPME, a eu lieu ce mercredi. La vision du nouveau président est de contribuer à la création et au développement des PME, à l'accès des petites et moyennes entreprises au financement bancaire et au marché public. Ils sont plus de 54 000 candidats en lice pour le concours d'entrée au CAFOP à 2014. Depuis ce matin, ces candidats repartis dans plusieurs centres d'examen ont reçu la visite de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Candia Camara, le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Ils sont plus de 54 000 candidats avec un seul objectif, celui d'intégrer la fonction publique et contribuer à l'éducation des enfants de la Côte d'Ivoire. Ce concours d'entrée au CAFOP ouvre le bal des examens concours au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves écrites et aussi encourager les candidats, la première responsable du ministère a visité des centres d'examen du district d'Abidjan. Les candidats ont répondu à l'appel, en tout cas en très grand nombre. Il y a très peu d'absents et ça, tout se déroule aussi dans le calme, dans la sérénité. Ça augure aussi de bons résultats. Aux différents candidats, la ministre Candia Camara a également demandé de bien travailler, car seul le mérite comptera à la fin de ce concours. Un concours qui se tiendra en deux étapes. Les résultats de cette phase seront connus dans 2 semaines. Ensuite suivra la phase finale pour le mois de juin, pour intégrer les CAFOP de Côte d'Ivoire. Les présidents de conseils régionaux de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire viennent de tenir leur Assemblée générale extraordinaire. Il s'agit de faire le point de leurs activités et de procéder à l'adoption du budget 2014 à Boussanogo. La RCI, l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, change de dénomination avec la rentrée des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. C'est l'une des résolutions majeures de l'organisation. Le point essentiel a été l'adhésion des deux districts autonomes.
notamment le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro, qui sont des collectivités décentralisées qui viennent d'adhérer à l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, dont nous avons assisté à la modification des statuts. L'adhésion des districts de Yamoussoukro et d'Abidjan à l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire est saluée par les présidents de conseils régionaux. Nous sommes très heureux avec l'arrivée des deux districts dans l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire. Ça renforce l'association parce que c'est aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire qui entre dans l'Assemblée des régions. On a enregistré une participation importante de 24 présidents avec le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et le vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Nous avons eu donc l'occasion de faire le bilan, de présenter toutes les démarches qui ont été menées par le bureau dans l'intérêt des régions. Le budget 2014 de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire se chiffre à 419 millions de francs CFA. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a pour mission d'être un cadre de concertation et de dialogue permanent, de donner des avis sur la législation et la réglementation concernant les collectivités territoriales, enfin d'étudier et de proposer au gouvernement les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir le développement et le bon fonctionnement des collectivités territoriales. Cinq villages de la sous-préfecture de Tankessé ont désormais accès à l'eau potable. Un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes a été construit. L'inauguration a eu lieu le week-end dernier en présence de la ministre chargée de l'économie et des finances. Kabagnale a annoncé que la couverture nationale en eau potable va passer de 61 à 82% en 2015. Les précisions de Sylvie Touré. Enfin, de l'eau potable pour les habitants des villages d'Assimpanaï, Pengakro, Banoua, Wangi et Pambariba. Ces cinq villages de la sous-préfecture de Tankessé, dans le département de Tanda, au nord-est de la Côte d'Ivoire, ont désormais un château d'eau. Il a été inauguré par la ministre en charge de l'économie et des finances. Niale Kaba a rassuré les populations que le gouvernement travaille à améliorer l'accès à l'eau potable partout en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'un volet important du plan national de développement 2012-2015 a été consacré à l'amélioration de l'accessibilité à l'eau potable et à l'assainissement, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Ainsi, la proportion de la population ivoirienne qui a accès à l'eau potable de façon durable devrait passer de 61% en 2012 à 82% en 2015. Le château d'eau de l'unité, tel que l'appellent les populations de Tankessé, a une capacité de 50 mètres cubes. Il pourra produire 10 000 litres d'eau par heure pour étancher la soif des populations des villages bénéficiaires. Des populations qui ont également exprimé leur soif de développement, la ministre Niale Kaba, le représentant du président de l'Assemblée nationale et le député de la localité, les ont appelés à rester unis pour bénéficier des projets de développement tels que la construction de centres de santé, dont la première pierre de celui de Wandi a été posée par la ministre Niale Kaba. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants CNS a organisé ce mercredi un atelier de renforcement des capacités des acteurs nationaux sur le système d'observation et de suivi du travail des enfants. L'atelier a eu lieu ce matin sous la houlette de la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. 1 622 140 enfants impliqués en 2011 dans les travaux des secteurs de l'agriculture, des mines, du transport, du commerce et des travaux domestiques, selon l'Institut national de la statistique. Pour combattre ce phénomène du travail des enfants, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris un processus de mise en œuvre du système d'observation et de suivi du travail des enfants, SOSTECI, en juillet 2011. Pour la mise en œuvre efficace de ce mécanisme de lutte contre le travail des enfants, un atelier est alors organisé par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Objectif, renforcer les capacités des acteurs nationaux sur le SOSTECI. Face à la lancinante question du travail des enfants, le système de suivi du travail des enfants
reste un puissant moyen pour les États et les entreprises concernées par ce phénomène d'établir des procédures transparentes et efficaces pour contrôler et éliminer le travail des enfants dans leurs différentes chaînes de production et d'approvisionnement. Ce sont au total 60 participants issus du Comité national de surveillance, du Comité interministériel, du Bureau ivoirien des travailleurs, des industriels, du chocolat, des organisations professionnelles et ONG qui sont outillés sur le document cadre, les outils et les perspectives d'extension du SOSTECI. Le système d'observation et de suivi du travail des enfants SOSTECI est pour l'heure implanté dans 5 départements en Côte d'Ivoire. De la vie, une réalité en dépit des efforts menés par les gouvernants pour établir durablement un contrôle des prix. Une alternative est proposée par certains acteurs, la technologie numérique. Une structure de communication lance donc la plateforme iconso.ci. Le consommateur pourra ainsi télécharger cette application et dénoncer toute anomalie constatée sur les marchés. La présentation de cet outil a eu lieu hier. Franck Quadio. Mai 2013, une enquête diligentée par le Centre ivoirien d'information et de communication gouvernementale CICG donne 67% des Ivoiriens davantage préoccupés par la question de la cherté de la vie. Presque un an après et malgré les efforts des autorités, l'inquiétude demeure. Dans une boutique, on va trouver des différents prix sur la même marchandise. Le qu'on paye à 2500, devient à 2800. Donc, quand on fait le plat à 1500, les clients se plaignent. Donc, nous, on ne peut pas faire à 1000 francs, sauf à 1000 francs, on va tomber. Consommateurs et défenseurs de leurs droits presque impuissants. La faute à une société de consommation pas habituée aux méthodes d'alerte. Une structure de communication veut rectifier le tir et propose iconso.ci, une plateforme web mobile. Le numérique, effectivement, nous permet de nous adresser de manière immédiate et permanente à un ensemble, l'ensemble de la population, pour recueillir des informations de manière statistique qui sont liées à la cherté de la vie, les documenter, les traiter. iconso.ci s'installe comme une application web ou mobile et permet aux consommateurs de dénoncer via un serveur toute anomalie. Vulgariser cet outil, c'est donc le sens de cet atelier impliquant entre autres secteurs privés et associations de consommateurs. C'est tout ceci qui a consisté à envoyer des alertes de partout pour informer le gouvernement des différents dysfonctionnements qu'il y a, ça et là, à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Quitte au gouvernement maintenant d'agir de façon efficace pour corriger ces dysfonctionnements-là qui seront relevés. Le commerce, le transport, l'énergie, plusieurs volets sont concernés, mais l'objectif demeure cependant le même, contribuer durablement à la lutte contre la vie chère. Un mot sur la fête de Pâques encore ce soir. Cette occasion de réjouissance en pays baoulé a été célébrée au cœur de Yamoussoukro par une structure exerçant dans le secteur du tourisme. Objectif, faire de cette fête un véritable produit d'appel touristique et assurer la production du tourisme intérieur. Une deuxième édition avec des retombées importantes pour la capitale politique du pays. Le compte-rendu de Victoria Angwa et Doigt des Lasers. Mipakinou, au cœur de Yamoussoukro, le village consacré à l'événement, l'espace champêtre du président Golf Club, aménagé pour la circonstance. Cette manifestation, la deuxième du genre, est une occasion pour assurer la promotion du tourisme en général et du tourisme intérieur en particulier. La mayonnaise a pris parce qu'ils sont venus nombreux pour célébrer la Pâque, fête chrétienne commémorant la résurrection de Jésus-Christ. Événement culturel riche en couleurs, mariage entre tradition et modernisme, le goli, danse du terroir baoulé, venu de Bomi Kondé, a mis du baume au cœur des invités. Pour nous, c'est un produit d'appel touristique. Et comme vous pouvez le constater, Yamoussoukro a drainé du monde sur cette destination. Nous nous battons pour le succès du tourisme. Nous ne nous battons pas pour notre structure. Donc tant mieux si ce concept a été repris par Yamoussoukro, Tiébissou, le Bélier et pourquoi pas toute la Côte d'Ivoire. Les participants s'en réjouissent. Ça nous permet de nous retrouver et de nous tremper dans une tradition qui aujourd'hui nous fait défaut. Nous sommes en train de voir de très belles danses. J'ai vu ces danseurs de Kondé Yaokro, tout petits, au temps de président Foboyen dans les années 62, 63, 64, quand les Modibo Keïta et autres venaient à Yamoussoukro. Mais c'est avec un réel plaisir que je les revois aujourd'hui. Des plats du village, le Namoukou par exemple, ça c'est ce que nos parents font au village.
Enfin, moi, je fais qu'être heureuse. Donc, je me dis, dans ce village, on peut aussi se retrouver au village. C'est la fête et il faut changer beaucoup d'air aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Pakinou Ayamsoukro a apporté le sourire au patron des restaurants et complexes hôteliers. Ils ont fait de bonnes affaires et c'est tant mieux pour le tourisme ivoirien. 24 heures avant le dimanche de Pâques, la quasi-totalité des réceptifs ont fait le plein, même les plus grands. Dans un autre registre, Germain Zamblébi, auteur de l'œuvre Le cœur d'Angouro, a procédé à la dédicace de son dernier ouvrage intitulé « Parler et écrire correctement le français, pièges et difficultés à éviter », une œuvre qui a pour but d'améliorer bien sûr le niveau de langage en français et également corriger certaines erreurs employées couramment. La cérémonie de dédicace de cette œuvre s'est tenue récemment à la Bibliothèque nationale au plateau. Le point avec Patricia Omoitia. Parler et écrire correctement le français, pièges et difficultés à éviter. C'est le titre de la dernière œuvre de l'écrivain Zamblébi Germain, un répertoire alphabétique de mots et d'expressions couramment mal employés. Il est bon qu'il y ait plusieurs niveaux de langue. Lorsqu'on veut avoir un langage soutenu, il faut pouvoir parler correctement la langue. Et c'est pour cela qu'il propose à ceux qui veulent parler dans un langage soutenu l'utilisation correcte de la langue française. Tout le monde a besoin de parler le français correctement, qu'on soit physicien, qu'on soit mathématicien, qu'on soit technocrate dans un domaine bien précis, on a besoin d'écrire toujours. Cette œuvre pourrait aider beaucoup d'Ivoiriens à rendre plus excellente leur formation dans la langue française. Les pléonasmes, les confusions de sens et les prononciations sont entre autres des as évoqués dans cet ouvrage. L'auteur propose des utilisations justes. Parler correctement en français, c'est se respecter et respecter ceux qui vous écoutent, mais ceux qui vous lisent. Il y a des fautes que nous faisons sans quelquefois le savoir. On ne dit pas par exemple, l'enfant est assis sur un table-banc à l'école, non. On dit l'enfant est assis sur une table-banc. On ne dit pas la chaîne 1, on dit la chaîne 1 de la télévision ivoirienne. Donc il est bon qu'on puisse s'exprimer correctement pour se faire entendre par tous ceux qui vous écoutent. Germain Zamblébi est enseignant et membre du groupe de recherche sur l'éducation en Afrique francophone. Il est également l'auteur de l'œuvre Le Kurdan Gouro. À l'étranger, le MUJAO, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, a annoncé hier que l'otage français Gilberto Rodriguez Leal était mort. Il avait été enlevé en novembre 2012 dans l'ouest du pays. Les insurgés n'ont pas précisé les circonstances de son décès, affirmant seulement qu'il était mort parce que la France est leur ennemi. Selon l'Elysée, il serait en fait mort depuis plusieurs semaines. Et Paris promet de ne pas laisser la mort de l'otage impunie. Reportage. Peu de réactions à Bamako après l'annonce hier soir de la mort de l'otage français Gilberto Rodriguez Leal. La presse ne fait guère de commentaires. Le gouvernement, quant à lui, a condamné dans un communiqué un acte odieux digne d'un autre âge. Gilberto Rodriguez Leal, 62 ans, était un retraité voyageant en Afrique en camping-car. Son enlèvement fin 2012 avait été revendiqué par le MUJAO, un groupe de djihadistes noirs très liés au trafic de drogue. Sa mort a été annoncée par téléphone au bureau de l'AFP à Bamako, dont Serge Daniel est le correspondant. Spécialiste de la mouvance djihadiste, il estime que Gilberto Rodriguez était mort depuis un certain temps et que le communiqué du MUJAO intervient en pleine opération française au Nord Mali. À mon avis, les djihadistes veulent faire croire que c'est en représailles contre toutes ces interventions françaises que l'otage a été tué, alors que visiblement, il est mort il y a déjà quelques semaines. Donc il y a derrière cette annonce, à mon avis, une opération de communication. Serge Daniel, auteur de plusieurs ouvrages sur les djihadistes au Mali, considère qu'il y a deux poids, deux mesures dans le traitement des otages et que Rodriguez Leal en a été victime. Effectivement, il n'avait pas de soutien derrière. L'État français dit qu'il ne paye pas de rançon. Enfin, l'État français dit qu'il ne paye pas de rançon, mais il ferme les yeux sur les sociétés qui paient les rançons. Ça, c'était le cas des derniers otages français d'Arlit libéré, puisqu'il y a une rançon qui a été payée. Effectivement, je pense que cet otage-là, s'il avait été travailleur dans une société française en Afrique, peut-être qu'il ne serait pas mort parce qu'une rançon aurait été proposée aux intermédiaires et qu'il y aurait des négociations, il y aurait eu des négociations pour empêcher sa mort. À la différence des autres otages, il semble qu'il n'y ait jamais eu de vraies négociations avec ses ravisseurs. Le président français a déclaré que ce forfait ne resterait pas impuni.
Pour terminer, M. Soro Kigbafori-Guium, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les vice-présidents, messieurs les présidents des groupes parlementaires, mesdames et messieurs les présidents des commissions permanentes à la conférence des présidents qui aura lieu le lundi 28 avril 2014 à 10h à la rotonde de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen et adoption du calendrier des travaux de la première session ordinaire de l'année 2014. Voilà qui met fin à cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.